Cette semaine, on s'en va à bord du Louis Joliette pour un souper croisière. On vous partage ça. Yo. En route pour le ben pour Québec, pour le port, ben port de Québec. Oui. Port de Québec. On s'en va pour un souper croisière sur le Louis Joliette qui appartient à la qui appartient AML. À AML. Ouais. AML qui veut dire avant je mangeais de la lavande. De la luzerne. Je vais aller fouiller ça. Pourquoi AML? Le groupe AML, en fait, son propriétaire du Louis Joliette, à laquelle on s'en va manger dedans. Puis on ne sait pas encore ce qu'on va manger. Le menu, on ne sait pas. On ne sait pas. On a choisi. On pouvait prendre un 5 services ou un 3 services. On est assez gros de même, on y va bien trop. Quand même, hein? Oui. Fait que, la croisière dure 3h30. On part du port de Québec à 6h pile. On embarque sur le bateau à 5h. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. On embarque à 6h, on part à 7h. C'est ça. Pour revenir à 10h30. C'est ça. Fait qu'on s'en va vers Québec. On est en direction.
On n'est pas parti à Charles de Rouen. À bord du Louis Joliette. On n'est pas parti encore? Non. Moi, d'après moi, c'est parce qu'on est trop pesant. Là, notre soupe est commandé. Ouais. On a notre drink. Oui, fait que c'est chin. Chin, chin, chin. C'est quand même. C'est pas le Queen Elizabeth, pour être honnête. Mais c'est quand même bien. C'est un beau bateau. La salle à dîner, c'est quand même. Oui, c'est grand. Ouais. C'est grand. On a un peu. Ça, on est sur la terrasse. J'imagine qu'ici, en soirée, il doit y avoir de la musique, de la danse. Puis... Ouais. Alors, moi, je vais me faire aller claquer ici. Oui, 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 oui. Moi, je danse comme une roche. Je vois ça, moi. Ouais, ça va? Ça va bien. Hey, j'ai fait un saut dans l'eau. If necessary, lifeboats will be located on this deck and our crew members will give you the instructions to follow. We remind you that it is very important to move about carefully, to hold on to the handrails in the stairways, and to supervise your children at all times. Don't forget to go through the hand washing and disinfection stations after using the stairs. It is strictly forbidden to run aboard the ship. Consommation. Nous avons également la boutique souvenir côté tribord à la droite et les toilettes publiques sont situées dans la boutique. Et finalement, si vous avez faim pendant la soirée, et vous avez le bistrot qui est à votre disposition côté bavard à la gauche du bateau. Je vous invite à aller voir le menu qui défile sur l'écran à l'intérieur aussi. En ce moment, bonne croisière à tous. Je vais revenir tantôt avec plus d'informations au sujet de la chute. Alors qu'on passe devant la pointe ouest de l'île d'Orient et le pont de l'île d'Orient également. Bonne soirée à tous et bonne croisière à tous. So, ladies and gentlemen, good evening to all of you. On behalf of the captain, the crew, and myself, welcome aboard.
Now we're just leaving the... Jean-Guy, juste à dire, on s'en vient souper de la gang. On est 300 à peu près. On s'en vient, là. OK?
je te connais, toi. Ben oui. D'où? C'est ça qui est ça. Ouais. C'est ça qui est ça. Et c'est ça. On est de retour, puis on a ramé. Ah. Oui, oui, oui. Qu'on a ramé, toi, ça oui, même pas oui, idée. Oui, oui, oui. C'était de toute beauté, on a bien aimé ça. Ouais. On se rend dans la voiture, puis on bouffait le compte-rendu final. Hein, je l'ai tout perdu. Le P! Qu'est-ce que c'est ça? Bon. J'avais la chance tout à l'heure de la crisser en bas du bateau. Nage! Ben non, c'est parce que t'aurais pas eu personne à faire la vaisselle. On est de retour à la maison. Moi, honnêtement, je suis fatigué. Non, moi, je suis correct. Ben en fait, je suis fatigué. Je suis juste... T'es blasé. Ben, pas blasé, je suis comme bien relax. Ça a été quand même une bonne soirée. J'ai l'impression, le vent, la brise... Ah, c'est sûr, ben oui. La brise de l'eau, du fleuve. Et non, puis c'est tout ça, on a bien mangé. C'était excellent, honnêtement, là. Ouais, mais j'ai l'impression que tout ça mélangé a fait que... si le feu prend, là, je suis pas le premier sorti. C'est ça même, là. D'après moi, ça va être mini. Mais farce à part, j'étais après dire à ma douce tantôt, pendant qu'on mangeait sur le Louis Joliette, que le Louis Joliette a pas bonne réputation. Ben, c'est mitigé. C'est à peu près, tu sais, si tu vas lire les commentaires, c'est 50-50. Ils ont été allés voir, tu sais, s'il n'y avait pas des vlogs là-dessus, des gens qui avaient vlogué sur le Louis Joliette. J'ai rien vu à part que des photos, le Louis Joliette sur le côté, tu sais. Ouais. On dirait que les gens se sont, pas acharnés, mais se sont arrêtés plus au côté négatif que Louis Joliette a déjà connu. Puis maintenant, pas parce que tu tombes une fois, tu t'en fâches une fois, tu t'en fâches tout le temps. Moi, personnellement, mon analyse, là, moi je te dirais, la bouffe était excellente. Puis je regardais les assiettes passées, là, il y avait du saumon, il y avait filet mignon, du homard, puis ça, tout avait l'air vraiment bon. Puis nous autres, c'est le braisé de bœuf. Ouais, de bœuf braisé. C'était excellent. La portion était... Ah, mais ça... Parfaite. Non, pour le repas, oublie ça. Le service était impeccable. Honnêtement, les employés, hyper gentils, ouais. Super accueillants. Ouais. J'ai aucun point négatif à mentionner. Ça court partout là-dedans. Il ouais. Y a quand même 250 repas à servir. On a demandé à notre serveur. Il dit que normalement, c'était...
je pense pas me tromper, il a dit 150 en bas et 175 en bas et 75 au deuxième. Oui, oui. Là, maintenant, c'est 250, tout dans la salle à manger, les tables rapprochées. À cause de la COVID, là, il y a des séparateurs pour eux, chaque table. C'est plus d'ouvrage, c'est plus serré, les gens sont plus collés. Oui. Mais ça change rien à la petite croisière, là. Non. Tu sais, ça change carrément rien. Ça nous a coûté, incluant la bouteille de vin qu'on a achetée, puis le pourboire, là, ça nous a coûté à peu près 75$, 50$ la bouteille de vin. Bon, on a pris une bouteille de vin un peu plus haute qualité, puis là-dessus, ben, t'es limité. Là, t'es... Une bouteille de dépanneur, tu n'auras pas là. Là. Non, puis c'est ça, parce que honnêtement, j'ai trouvé que la carte des vins, normalement, tu vas avoir des vins, ça va jouer entre 30$, puis 75-80$. Mais là, il n'y avait rien en bas de 50$. Ouais. Fait que c'est sûr que la bouteille de vin est dispendieuse. Puis notre souper croisière nous a coûté, incluant les taxes et le 4$ de frais que tu payes parce qu'on a pris nos billets en ligne, ça, c'est revenu à 174 et quelque chose. Plus qu'est-ce que ce soit le 26. 174 et quelque chose, ça, c'est la croisière et le souper, tout inclus. Là, on s'est pris une bouteille de vin, le pourboire. Fait que c'est une affaire de 250. 125 chacun. Par contre, on a passé une soirée. Oui. Super débile que. Puis, par contre, j'ai trouvé le prix de la bière était très raisonnable. C'était comme 6,5 piastres une bière. C'est quand même. C'est ça, c'est pas plus cher qu'ailleurs, la bière. C'était quand même cher. Le vin est plus cher, mais la bière pas plus chère. Point négatif. Point négatif, j'en ai un seul. Je l'ai dit tantôt, on en a parlé, moi, Piel. Je trouve que, quand même, c'est un beau bateau. C'est impressionnant, tu sais, la vue est belle, ça se fait dans un espèce de beat vraiment relax, la musique, puis la salle à manger, ça fait cafétéria. Ouais, mettons que le fort, c'est pas la décoration. Non, ça fait un peu cafétéria, c'est des vieilles fixtures encore sur le bateau. Tu sais, mettez des beaux chandeliers, essayez de mettre un décor, des tapisseries un peu plus haut de gamme, essayez de copier un peu sur les croisières. Les gens, ben, on remarque d'un autre côté, s'ils n'ont rien à faire dans le bateau, puis ça n'a pas été pareil, il n'y a pas, tu sais, bon. Ben, tu sais, quand on travaillait en vente, toi et deux, là, comment qu'ils disaient ça? Pas dépenser pour rien, dans le fond, là, c'était... Pas dépenser pour rien. Ouais, tu sais, quand tu avais une compagnie, pour que ce soit rentable, faut pas que tu dépenses pour rien. Mais pas dépenser pour rien, je comprends, mais il n'y a personne qui dépense pour rien, ma non, pousse. Mais je pense qu'eux autres, ça doit être leur mentalité. Si ben oui, ça c'est fonctionne. Ça fonctionne, c'est toujours c'est plein, ça, donc on ne changera pas rien. Mais j'imagine que à ce moment-là, ça justifierait, même s'il y aurait une légère hausse de prix, parce que la salle à manger, c'est fait cafétéria. Moi, c'est mon point de vue. Ouais. Mais le reste, tout est beau. Le bateau est beau, le fleuve est beau, les ponts sont beaux, les lumières sont belles, tout est parfait. L'ambiance est super bonne. Puis même que. Vers la fin de la soirée, on voyait que les gens avaient pris un petit verre de vin. Ça commençait à souiller, ben à danser sur le pont. C'était le fun. Ouais. C'était vraiment le fun. Ouais. En gros, moi, je vais donner un 9 sur 10 à Croisière AML sur le Louis Joliette. Ouais. On a bien aimé. On veut remettre ça. Sauf qu'à un moment donné, bon, la carte de crédit a un fond. Fait qu'on va ramasser nos sous encore un peu. Puis on devrait y retourner sous peu. C'était honnêtement, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Ben, c'est comme. On a quelqu'un qui nous suit sur, sur YouTube, sur nos capsules, puis qui est maintenant dans mes amis Facebook. Il a marqué tantôt c'est une pratique. Ouais. Ben, honnêtement, un petit peu. Ça nous a en même temps donné un peu... Moi, j'ai vraiment le pied marin. Pour ma part, j'ai vraiment le pied marin. On a pas, Moi, j'aime ça sur l'eau. J'aime ça. J'ai pas peur. Je me sens bien. J'aime ça. J'adore ça. Fait que pour moi, c'est pas une expérience négative. Au contraire. Non, non. Absolument pas. Fait que c'était ça un peu notre résumé de cette semaine à bord de la croisière AML. Le Louis Joliette. Bravo. Thumbs up. Ça a été une belle soirée. On a bien mangé. Très agréable, on vous le suggère. C'est à refaire. Oui, on vous le suggère. Allez essayer ça, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. C'est en ligne, vous allez choisir votre date, le bateau, de où il part, Montréal, Québec. Il y a même des visites aux baleines qui se font. En tout cas, il s'agit de voir sur le site AML. Les feux d'artifice aussi, quand ça va revenir. Quand ça va revenir, en 2022 que j'ai vu, là, ce qu'on voyait. Fait que, grosso modo, si vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Vous y allez pas, vous y allez pas. Moi, là-dedans, nous autres, c'est pas compris, c'est... En tout cas...